Salut Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Natouné. C'est l'Internet, c'est Natouné. Rajoutez-le sur Instagram, ça lui fait plaisir. En plus, il est célibataire. Donc, pour toutes les meufs qui veulent rajouter Natouné, n'hésitez pas à le rajouter, les frérots. Son Insta s'affiche en bas. En fait, je vous explique, à la base, on devait même pas tourner de vidéo. J'étais avec Nathan, on était tranquille et tout, machin. On devait faire des trucs cet après-midi. Et j'ai un bon ami à moi, j'ai grandi avec lui, c'est un ami d'enfance. Il m'a appelé, il m'a dit Anto, j'aimerais qu'on se voit, qu'on discute et tout, machin, c'est important, patati patata. Et vous savez que, à partir du moment où j'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice, j'ai pris la décision de filmer quand je sens un truc chelou arriver. Et là, je sens un truc chelou arriver parce que ce mec-là, c'est un ami d'enfance, comme je vous disais, il connaît toute ma vie. Et là, c'était assez suspect, il voulait me parler rapidement, urgemment. Donc là, on l'attend, il va pas tarder à arriver normalement. Et je sais pas ce qu'il va me dire. Et pour me protéger, je préfère mettre une caméra, filmer. Et voilà, et Nathan, il était là. Donc bon, du coup, voilà. Il est là. Il a esquivé le match FIFA. Je suis en train de tuer. C'est faux. C'est faux, les gars. D'ailleurs, j'en place une aussi pour le frérot Bâtard. Vous savez que c'est un très bon ami à moi. Bâtard, il a ouvert son garage. Il fait des réparations de moto, des réparations de voiture. Je vous mets son flyer. Vous pouvez le rajouter pour lui donner de la force, s'il vous plaît. Et si vous êtes sur Marseille ou les alentours et que vous voulez faire réparer votre scooter, votre voiture, n'importe quoi, n'hésitez pas à le contacter sur Insta ou aller directement à son garage. L'adresse est sur le flyer. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir, s'il vous plaît, que vous lui donniez de la force parce qu'il a été là longtemps et vous le savez, c'est une icône dans Kamov. Bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Ouais, les gars, il arrive. Oh, mbeu! C'est quoi ce machin là? C'est quoi ce truc? Ça va? Tranquille? Qu'est-ce que t'as des problèmes? Tu veux me voir en urgence comme ça? Non, c'est pas un problème! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, je me suis dit, frère, il m'appelle, il y a un brouille, machin. Non, ça va, c'était ça, j'aurais pu le régler assez facilement, tu vois. Je sais pas. T'as pris de l'argent? Non. Je sais pas, frérot, qu'est-ce que t'arrive? Dis-moi tout. Là, tu sais, toi, c'était vraiment nous qu'on se connaît, tu vois. Je connais ta famille, je connais ta soeur, tu vois, c'est. Tu connais tout. Voilà, c'est grandi, tu vois, c'est vraiment la pratique de l'âge, tu vois. C'est vrai, vraiment, c'est compliqué, je veux pas que tu prennes mal, quoi. Que je prenne mal? Pourquoi Attends. Dis-moi, juste, ça me concerne? Ça concerne toi, ça concerne ta famille aussi, tu vois, c'est global. Quoi, tu vas me sortir que j'ai été adopté, que... Ouais, mais je te sens un peu stressé, un peu angoissé. Ouais, c'est comme ça, gros, ça va, tranquille. Parce qu'on est plus. Tu peux dire, tu le sais, frérot, ça va. Je sais pas, tranquille. Calme-toi. Respire, tranquille. T'inquiète, frérot, je sais pas ce que c'est, mais je te promets, je m'énerve pas, vas-y. On s'est fait grandir, Ta soeur. Ouais. Tu as vu ce qu'elle est, tu es au courant, tu as vu ce qui s'est passé avec ma soeur dernièrement, j'en ai même fait une vidéo, frère. Tu peux parler avec elle, tu vois, et je vais faire une relation avec elle. Ok, vous avez tous appris ma soeur. T'es sérieux là ce que tu me dis, Alex? Ah ouais, si j'étais pas sérieux, je serais pas venu. T'es sérieux, frérot? T'as quel âge? J'ai 29. Et ma soeur, elle a quel âge? Elle a 15. Y'a pas un problème, rien que là, y'a pas un problème déjà? Si tu vois de ce point de vue-là, c'est juste là, ça va quoi. Attends. Frérot, t'es en train de me dire? Que, en gros, tu veux sortir avec ma soeur alors que tu as 29 ans et qu'elle en a 15? Ouais. Et comment tu oses venir me voir et me demander ça, frérot? Comment tu oses Enfin, dans ta tête, tu t'es pas dit non? Comment tu l'as vu naître, gros? Je comprends pas.
Mais quel... Dis-moi, tu es en couple avec ma soeur, je suis pas au courant, qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien, c'est quelque chose. Avec elle ou pas? Pas encore, mais tu vois, j'ai des ressentiments, je vais vraiment me poser avec ta soeur. Ah bon, c'est impossible ça, tu veux me demander là, c'est une blague? Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît, dis-moi que c'est... Bah, non, si c'était une blague, tu vois, je serais pas venue, tu vois. Et ma soeur, elle est au courant? Je vais pas te le dire. Elle est même pas au courant, ma soeur? Je préfère passer par toi avant et après ta soeur. Frérot, ma soeur, tu te dis pas, genre, tu as 15 ans de plus qu'elle, mais t'imagines ou pas? T'imagines bien même que, frérot, prends-toi, secoue-toi un peu. Mais non, attends. Comment je peux pas m'énerver? Vas-y, suis-moi. Comment je peux ne pas m'énerver? J'essaie de garder mon calme, mais frérot, parce que c'est quelqu'un d'autre, il paraît un taquet dans la bouche. Juste, je te dis juste que là, t'es en train de me dire que, en gros, ben, t'es amoureux de ma soeur, si j'ai bien compris, hein, t'es amoureux de ma soeur. Ma soeur, elle est pas au courant. Tu viens m'en parler. Déjà, je trouve que tu as des couilles de venir me dire ça. Je sais pas si... Avoir des couilles ou si c'est être inconscient, j'en sais rien, ou être fou. Mais ma soeur, tu l'as vu bébé. Gros, on se connaît depuis qu'on est gosse. Ma soeur, tu l'as vu naître. Tu connais ma mère. Tu me connais. Moi. Tu te dis pas qu'à un moment donné, ça va bousiller une amitié? Tu crois vraiment que je vais te dire, oui, vas-y, ben vas-y, ma soeur, elle a 15 ans, vas-y, Alex, vas-y, va là-bas. Non. Tu t'attendais à quoi, Alex, en venant là? Tu t'attendais à quoi? À ce que je t'ai dit, vas-y. Mais, écoute, tu es fils unique, tu peux pas savoir. Tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur. Imagine maintenant que tu as une fille. Tu peux imaginer avoir une fille? Imagine que tu as une fille. Bah, si c'est dans mon optique, comme je veux, ouais, je veux une fille. D'accord, tu veux une fille. Donc si ta fille, elle te dit, papa, j'ai 15 ans, il y a un mec de 30 ans, il veut sortir avec moi, tu vas lui dire oui? Là, si je te dis oui, à moi, tu vas croire que c'est pour en mode, t'as ma douée, tu peux vraiment dire oui pour ça. Moi, c'est hors de question. C'est impossible. Il faut laisser ma soeur tranquille. C'est juste des chiffres, c'est l'âge. Non, c'est pas l'âge. Oh, ma soeur, elle a 15 ans. Ma soeur, elle joue presque encore au Barbie. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en train de me dire quoi, là? Je comprends pas. Écoute, je m'en bats les c***** tout ça. Tu vas couper les ponts net avec moi. Je veux plus jamais te voir. Tu as vu, je vais pas te frapper. Je vais pas te lever la main dessus. Je vais rien faire parce que tu as vu, je te connais depuis tout petit. Par contre, s'il te plaît, frérot, tu coupes les ponts, tu supprimes mon numéro, tu supprimes tout, tu m'oublies. Et ma soeur, tu m'oublies encore plus. T'as capté ou pas? T'as capté? Vas-y, casse-toi. En vrai, dégage. Dégage, vas-y, prends, s'il te plaît. Tu as vu? Tu as vu, je vais t'encastrer dans ton camion. Prends dans ton camion, s'il te plaît. Allez, vas-y. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, taille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? En vrai quoi? Tu veux quoi? Tu veux que je t'explose la tête? Je sais pas, c'est rien des sentiments que j'ai pour elle, tu vois, je vais pas jouer. Depuis quand? C'est depuis quand? Depuis quand? Déjà. Frère, donc quand t'es avec... Là, vraiment, tu vois, quand j'ai su vraiment que tu voulais quelque chose, c'est le jour où tu m'as invité à son anniversaire. Donc elle a 15 ans? Ouais. Donc elle avait 14 ans? Elle vient d'avoir 15 ans là. Ouais, quelques mois. Donc tu es en train de me dire que quand tu es venu à l'anniversaire, déjà tu te faisais des films sur ma soeur? Je me faisais pas des films, mais après pour voir un petit peu le bon côté des choses, tu me connais quand même depuis petit, c'est un mec droit, tu vois. Tu vas me dire, tu veux taper ma soeur et moi je suis là, frérot, je fais rien. Moi je fais rien, frérot, je te. Taper ma soeur? Je vais pas me taper, je vais dire ça, je vais devoir la chance. Vas-y. T'as vu Alex, s'il te plaît? Je t'ai écouté, t'as vu, je t'ai pas frappé. Je me contiens, s'il te plaît, prends ta poubelle là et casse-toi, frérot, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Alex, tu veux. Pourquoi, frérot, tu veux quoi? Je te mets un coup de pied dans la bouche, s'il te plaît, casse-toi, dégage, va-t'en, je veux plus, s'il te plaît, vas-y, frérot, s'il te plaît. Vas-y, écoute-moi, t'as vu, écoute-moi. J'ai pas envie d'en arriver là, vas-y, s'il te plaît. C'est bon, t'as déjà niqué une amitié, j'ai pas niqué la tête, vas-y. Je fais quoi? Je fais quoi là? Vas-y, s'il te plaît, vas-y, casse-toi, s'il te plaît, vas-y, je reste calme, s'il te plaît, avant que je dégénère, s'il te plaît, je me connais, Alex, je me connais, vas-y, taille-toi, tu me connais, justement, taille-toi, s'il te plaît, taille-toi. Pourquoi tu réagis comme ça? Non, y'a quoi? Casse-toi! M'appelle plus, hein. Appelle plus ma soeur, appelle plus dégueu. J'attends pas que tu appelles ma soeur ou quoi, je te le dis. Parce que là, tu as vu, je suis gentil. La prochaine fois, je te jure, je te frappe. Vas-y, arrache-toi. Frérot.
Ah, c'est un truc de fou. J'ai même pas envie d'en parler. Même. Je connais ma soeur. Elle a 15 ans. Oui. Eh ben lui, il en a 30. Il est en train de me dire qu'il veut se taper ma soeur. Il est amoureux de ma soeur. C'est normal, tout va bien. Je veux bien que ma soeur soit une belle petite, mais faut pas déconner, les gars. Ah, frère, là, c'est. Lui, c'est... là, c'est... ça relève de la psychiatrie, frérot. Tu sais, tu es limite pédophile, frère. Tu as vu, c'est pas. Frérot, c'est chaud parce que s'il fait ça à plusieurs personnes. Il a quel âge, monsieur? 30. 30 balais. Bébé, c'est ma soeur. Ouais, allô? Ouais. Non, 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 alors écoute-moi, tu descends de la voiture de suite. Descends de la voiture. Les gars, la voiture, vite. Il est allé chercher ma soeur au collège.